Enregistrement. Bonjour Grognac, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Moi je vais très bien et il est l'heure de la petite friandise. Cette fois-ci je l'ai gardée pour le live, je me suis dit que c'était sympa. Noël c'est très bien. Non mais oui, c'est juste que pour te dire, j'ai un ami qui s'appelle Tom qui fait des lives, mais sauf que j'ai toujours l'habitude de l'appeler Tom. Sauf que à l'écrit pour ses lives, il s'appelle BD Tom, parce qu'il fait de la BD. Et à chaque fois, j'ai envie de l'appeler BD Tom, et ça m'angoisse, parce que mon cerveau a une grosse dissonance à ce niveau-là. C'était encore de la mûre, je crois. J'ai lancé la rediff et j'ai même pas expliqué. Bonjour, bienvenue la rediff. Aujourd'hui, on va faire des jeux vidéo, et on va notamment finir Forestia. Donc si vous n'avez pas déjà vu Forestia, ça a été fait dans la première partie. Pour tous les gens sur Twitch, il y a la rediff qui est présente sur Twitch. Et pour tous les gens sur YouTube, il y a la rediff sur YouTube de cette première partie de live qui était vraiment drôle. Et on va finir. Je sais pas combien de temps il nous reste. Peut-être que c'est une heure, peut-être que c'est moins que ça. Peut-être que là, dans 20 minutes, on a fini le jeu. Mais dans tous les cas, ce live ne va pas s'arrêter de si tôt. On s'arrête à 21h. Et en gros, ça va être on va jouer à Oublette quand on aura fini Forestia. Après, ça se trouve, Forestia va nous surprendre et il y a encore un million d'épisodes qui nous attendent. On ne sait pas. Bon. Coucou, ma bézozo. J'espère que vous allez bien, les gens. Moi, il faut que je vous montre un truc. Regardez comme elle est. Ma petite statuette de Hollow Knight. Les petites larves de Hollow Knight. J'ai trop hâte de la peindre. Ça va être beaucoup trop cool. Est-ce que le son de la musique est bien pour vous ou est-ce que c'est un peu fort? Je me pose la question. Trop bien, merci. Omg, elle est si cute. Mais oui, vous avez vu? Elle est incroyable. Et au début, je me suis dit, merde, je l'ai fait un peu trop réaliste comparé... et c'est pas le chenipan, non, ce n'est pas un chenipan. C'est bel et bien une larve d'Hollow Knight. Et elle est un peu plus réaliste que les larves d'Hollow Knight, mais j'y peux rien, J'ai un côté cartoon, mais je crois que quand je fais des petites statuettes comme ça, c'est difficile de faire du full cartoon pour moi. J'aime bien rajouter les plis des yeux, les petits bourrelets, des trucs comme ça. Non, non, elle est parfaite, TKT, merci. Et du coup, on va la peindre en live, mais on verra quand, parce que bon, les gens... Comme je vous ai dit hier, la semaine prochaine, je travaille du lundi au vendredi, donc je ne serai pas en live. Il y aura le samedi le Let's Play and Draw comme prévu, mais sinon, la semaine prochaine, on n'aura qu'un seul live. Donc on n'aura pas de live peinture, on n'aura pas de live jeu, on n'aura pas de live bestiaire. Ah, que ça triste. Coucou, chapi, chapeau, chapa. Incroyable, très agréable à dire ce pseudo. Bonjour, je viens de découvrir ce live après avoir vu les bouts de rediff sur YouTube. Ah bah c'est super ça, la preuve que les rediffs ne servent pas à rien. Parce que sur mes rediffs, j'ai pas beaucoup de vues, ce qui est normal, parce que c'est des lives de 3 heures où juste on blablate et la qualité est pas extraordinaire. Mais il y a toujours des gens qui kiffent, il y a toujours des gens qui découvrent par les rediffs, et il y a toujours des gens qui me disent « Ah, merci d'avoir mis la rediff parce que j'étais pas là et j'avais quand même envie de voir le live. » Donc voilà, je continuerai à mettre des rediffs pour vous, pour tous les gens qui découvrent comme ça. Donc, je le répète encore une fois, on discute un peu en début de live et après on va se lancer dans le jeu vidéo. Mais là j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas, je me souviens plus après de ce qui se passe. Je sais qu'il y a un passage avec les insectes qu'on doit faire, mais je ne sais pas du tout quels autres épisodes de Forestia nous attendent. Je pense que je l'ai eu en reco YouTube après avoir vu les sombres machinations. Ça c'est trop drôle ça. Parce que du coup oui, je tourne dans sombres machinations et je suis joueuse dans sombres machinations. Mais c'est marrant qu'ils aient fait le lien comme ça. Peut-être que j'ai été, je sais pas, peut-être que j'ai été citée sur un truc et je ne sais pas. Coucou, c'est Citrouille. Comment vas-tu? J'espère que ça va bien en tout cas. Le YouTube, c'est le même nom que sur Twitch? Alors non, parce que sur Twitch, sur YouTube, il faut savoir qu'il y a un zèbre infernal qui s'appelle Zoo. Et en fait, quand vous tapez Zoo Animation ou Zoo sur YouTube, vous allez forcément trouver ce zèbre-là. Du coup, c'est Zoo the Frog. Je sais, c'est un peu naze, mais pour le moment, j'ai pas mieux. Donc normalement, si vous mettez ça, vous me trouvez. si tu l'as pas déjà fait, est-ce que tu peux nous parler un peu des tableaux et des œuvres derrière toi? Ah oui, alors j'en ai parlé un petit peu, mais c'était il y a un petit moment. Ici, il y a toute ma galerie des gens que j'aime bien, des artistes que j'aime bien. Tout en haut, là, c'est un pirate par Frédéric Pilote. Pilot. Nécourt m'a corrigé, mais j'ai encore oublié.
qui est vraiment très très stylé. En plus, j'ai eu Sprint, c'est genre un giga format raisin, et je l'ai eu pour 15 balles, c'est absurde. Et j'ai plein d'amis aussi à vous montrer. On a déjà... Regardez ça. Ça, c'est un print que m'a offert Lupin de Garenne, et c'est un Sclexès du coup, mais fait dans son style. Donc Lupin de Garenne qui fait aussi des lives sur Twitch, et qui est un camarade canet. Attendez, je vais galérer à les remettre maintenant. Ah ! Allez, ça pète. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Bah si, bien sûr. Hop. Une œuvre par ma Sir Mascox, bien sûr, un autre streamer que vous connaissez sûrement tous ici. Oh, trop beau. Bah ouais, elle est trop bien. Et donc Lupin de Garenne, c'est son nom sur Twitch, et c'est Guillaume le Hérissé sur Insta. J'aime vraiment beaucoup son style, et on va travailler ensemble avec Lupin de Garenne. Donc il y a évidemment le travail de Mascox qui est trop bien. Hop. Attendez. Ah, faut que je vais mettre 12 ans à remettre les tableaux à chaque fois. Ici on a un print que j'ai acheté à Sandwich. Pareil, autre streameuse de la plateforme dont j'aime trop le style. Vraiment le côté à la fois chaotique mais en même temps ultra précis. C'est vraiment trop trop cool. Donc j'aime beaucoup ce tableau là. Attendez, faut que je vous montre, vous savez quoi? Je vous montre deux derniers tableaux pour finir. Parce qu'en vrai sinon je pourrais passer 1000 ans à vous montrer toute ma collection. Mais les deux derniers tableaux que je vous montre, c'est pour commencer celui-ci. Ici, il y a, c'est le travail de Plume. Donc Plume, c'est une amie à moi avec qui je travaille très souvent. On a fait nos études ensemble. Et elle a un style vraiment tout en douceur. Elle fait tout au crayon à papier, pastel. Tout est très doux en couleur comme ça. Et je recommande vraiment ces citrouilles, si tu aimes ce style, je te montrerai à l'occasion. Mais sur Insta, elle fait plein de trucs comme ça. Et j'attends un de ses prints. Qui est une merveille, c'est sur le thème des contes de fées, et elle a fait une série qui est sublime. J'ai acheté un de ses prints, j'ai trop hâte de vous le montrer. Mais bref, voilà, c'est tout en douceur, c'est vraiment super beau. Et pour finir, je vais vous montrer un très très beau... C'est un mur de Jean Doué, en fait, exactement. Bah, c'est... Quand j'aime un artiste, j'aime bien avoir son travail. Malheureusement, j'ai pas toujours les finances pour acheter tout ce que je voudrais. Mais moi, dans l'objectif... Attendez... Je vais y arriver. Allez, bordel. Mon Dieu. Ah. Non. Non, accroche-toi. Je crois que le clou est... Le clou s'enfonce. Attendez. J'arrive, les gens, attendez. Ah, bordel. Faut que je vous en montre un dernier et après on arrête. Bonsoir Denzo, bonsoir Phoenix of Flame. Chez moi, dans mon bureau, c'est un peu pareil, j'ai des œuvres d'artistes que j'aime bien, genre Zou, Neko. Merci beaucoup, c'est tout. Attendez, hop. Et la dernière œuvre que je dois vous montrer, c'est ma collection d'ATC. Donc pour ceux qui ne savent pas, les ATC, c'est un truc qui tourne entre artistes, et ça s'appelle les Art Trade Cards. Et en gros, tu fais des petites cartes de ce format-là, et tu les échanges contre d'autres petites cartes de ce format-là. Donc les règles, c'est que c'est forcément des originaux, et du coup c'est trop bien parce que ça permet d'avoir des originaux trop cool, uniques, qui sont pas reproduits jamais, et ça permet de collectionner des artistes. Par exemple, ici, j'ai Aurélie Poète, qui avait fait des séries de monstres super cool, Mascox, Enerzat, on a encore une fois Sombuich ici, on a Mischief. Là, on a... c'était Armoise, oui, c'était bien Armoise. Iri Bookmark. Et un ami à moi qui a fait celle-ci, qui est vraiment unique. Pour le coup, elle en a fait vraiment à personne d'autre, mais j'aime trop. C'est trop bien comme idée. C'est vraiment trop cool. Je crois que ça vient des États-Unis à la base, mais pendant un temps, ça tournait pas mal chez les artistes français. Et c'est super cool. Ah, c'est bon, du premier coup, incroyable. Ouh. Et je peux vous montrer aussi autre chose que j'ai dans mon décor qui est sublime, d'un autre artiste. Et là vous allez tous être jaloux, les fans de Over the Garden Wall. Je vous présente Greg, qui a été peint par Grognac. Et il a fait aussi un petit weird pour Alexis du coup, et on a... Ils sont vraiment trop trop chouettes. That's a rock fact. Mon modèle dans la vie, on est bien d'accord.
Donc voilà, c'était la petite présentation. Je suis pas fan et pourtant je suis jalouse. Ah mais oui, c'est trop adorable. GG. Non mais oui, ça fait une belle collection, c'est joli dans le décor et en plus de ça je suis très fière de pouvoir montrer les travaux des gens que j'aime bien. Y a pas que ça, il y a aussi des gens que je connais pas mais dont j'aime bien le travail. Dans le futur j'espère étayer ma collection avec plein de trucs. Moi je remplis mes poches de bonbons pour pouvoir distraire mes ennemis, je pense que ça marche bien. Et ton calendrier de l'Avent est grave mignon aussi. Tu parles de celui de cette année ou celui de l'année d'avant? Mais cette année j'ai fait des trucs assez chouettes. Mais il y en a une qui est pas finie, que j'espère va être vraiment très très cool, que je trouve très cute. Mais ouais, je pense aussi que mon calendrier de l'Avent de l'année dernière et celui-ci cette année va être cool aussi. Et sinon les gens, vous allez bien? Moi je pense qu'on va bientôt commencer à jouer, hein, parce que je sais pas vous, mais j'ai hâte de jouer. Je connaissais pas, c'est hyper chouette comme idée, c'est effectivement super chouette. Par contre, jamais je veux échanger les cartes en fait. Bah en fait c'est ça le truc, c'est que tu échanges une fois. Moi j'en ai fait 8 et j'ai échangé avec 8 artistes. Mais du coup je les échange pas après. Je les garde, c'est ma collection. C'est peut-être pas le calendrier de l'Avent. En fait je pensais que derrière toi c'en était un. Ah si si! Ça c'est mon calendrier de l'Avent perso. Parce que je me suis dit un jour, merde, j'adore les calendriers de l'Avent, mais j'ai pas du tout envie d'en acheter un chaque année. Du coup, j'ai fait mon petit Père Noël calendrier de l'Avent. Et j'ai mes petits tiroirs, comme ça, que je remplis d'un bonbon à chaque fois. Et je trouve ça plutôt cool. Franchement, les gens, si vous aimez cette tradition, mais que vous avez pas envie d'acheter des calendriers de merde en plastique qui sont remplis de chocolat de merde, je recommande vraiment ça. En plus, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez mettre un petit mot, un cadeau spécial. Enfin, ce que vous voulez. Et voilà. T'as dit que j'étais un artiste. Bah oui, bien sûr, Grognac, que t'es un artiste. Coucou CLP, coucou Fruity. Et oui, bien sûr que tu es un artiste, Grognac. Je veux dire, tu peins, tu fais des choses créatives. Ça s'appelle ça être un artiste, mais bon. Tu fais de l'art, alors, à partir de là. Je me suis fait aussi un cadeau, c'était pas bien, mais ça me fait penser d'ailleurs que je crois que c'est toi, hein, c'est Cétrouille qui m'avait dit qu'à Flying Tiger on trouvait des trucs cool, et j'y suis allée pour la première fois de ma vie là, je me suis fait un plaisir, j'ai acheté cette petite tasse, qui n'a l'air de rien, mais c'est une petite tasse mignonne avec des étoiles et du doré dessus, ce que moi j'aime beaucoup, et c'était 5€. Et je trouve ça abusé, comment c'est pas cher. Je vous dis, mon porte-monnaie va me détester. Hein. Non seulement il y a les cadeaux de Noël, mais alors en plus, moi, je me suis fait bien plaisir à moi-même. C'est un délire. Bon, les gens, est-ce que vous êtes prêts pour retourner dans Forestia? Est-ce que vous êtes prêts pour continuer notre classe verte? Elle va bientôt arriver à son terme. On va devoir dire au revoir à Papy Chêne, à Boulot, à tout cela. Moi, je sais pas si je suis prête à dire au revoir à ce jeu. Grave prête. Est-ce que t'as vu la première partie, ces étoiles? Je sais même pas. Je me souviens plus si t'étais là ou si peut-être t'as regardé après coup. Mais oui, je bosse en même temps et c'est trop agréable. Oui, ah bah écoute, trop bien. Vous êtes, alors, pour ceux qui étaient peut-être pas là la dernière fois, c'est pas grave. En gros, on est en classe verte. T'as déjà avancé sur les cadeaux de Noël? Oui, parce que je vais pas avoir beaucoup de temps. Entre le taf que j'ai à faire à l'école 3S, en même temps le taf que j'ai à faire pour le marais collaboratif, et en plus de ça, tous les autres trucs de ma vie, les illustrations et tous les projets que je dois faire avancer de façon alternative, j'ai pas beaucoup de temps. Alors du coup, j'ai fait déjà mes cadeaux de Noël, pas tous, mais au moins une bonne partie. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, je vais juste finir là-dessus. On arrête la musique pour le moment. Pour tous ceux qui connaissent pas, on va aller à Forestia. Donc Forestia, c'est un jeu qui est un vieux point and click français. Et basiquement... Oh bah tiens, merci Phoenix of Flame qui se réabonne pour son deuxième mois. Pour Damzou, même si je devrais pas, j'ai mal au porte-monnaie aussi. Ah là là, merci Phoenix of Flame, ça fait trop plaisir. Alors bien sûr, ne vous ruinez pas pour moi, même si j'apprécie le Gex. J'apprécie le geste. J'apprécie le Gex. N'importe quoi.
Mais merci beaucoup, Phoenix of Flame, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, en gros, on est en classe verte dans ce monde qui s'appelle Forestia, où il y a des arbres qui parlent, où on a combattu une malédiction d'un sorcier des cristaux, on a fait la fête de la musique, on a fait un cheval en bois qui était en fait un cheval fantôme. Enfin bon, bref, c'était un bordel sans nom. On y retourne, et visiblement, on avait une histoire avec des insectes. Il y a une espèce de fourmi du FBI qui est venue nous parler pour nous dire que la reine avait besoin de nous. C'est tout ce dont je me souviens, donc bon, écoutez, c'est parti. On a vu Jake cette dernière fois d'ailleurs. C'est vrai que Jake c'est dans le jeu, on pourra retourner le voir ou regarder la photo qu'on a prise. D'ailleurs, Jake du coup s'est enfui du jeu apparemment. Alors attendez, ah, il faut que je puisse... oui. Allez. Vous inquiétez pas, hein, ce bruit très effrayant est normal. Hein, c'est... je lance un CD-ROM actuellement. Alors, il faut juste que je vous change de scène. Voilà. Et on va espérer que le truc se mette à la bonne taille. J'aimerais bien qu'il soit en fenêtré, ce serait cool en fait. Est-ce qu'il est en fenêtré? Non. Attendez. Il va falloir que je règle, parce que j'ai changé de côté d'écran en me disant que ça allait être plus simple, mais c'est pas dit en fait. Je suis bloquée dans un tout petit carré actuellement. Hop, voilà. Normalement, là, on devrait être à peu près bon. Merci ces trucs qui envoient 100 bits. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Les bits de Noël, merci beaucoup. Alors, on retourne dans le jeu vidéo. Ah, tiens, on a un hype trade incroyable. Faudrait limite que je fasse un truc pour le... Attends, Forestia. Non, je veux retourner dans le jeu. Voilà. C'est bon pour vous, on va avoir le son normalement dans 2 secondes, vous n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort. Normalement ça va. C'est même pas de ma faute, c'est eux qui sont en retard pour me payer. Ah mais ça on connaît hein. Moi il y a toujours une latence de 15 jours avant qu'ils me payent et c'est super chiant. Ah, c'est parti, on y retourne. La question c'est est-ce qu'on a tous les animaux, je me demande. Est-ce qu'on n'en aurait pas raté? Allez, on reprend l'aventure. Merci à ces trucs qui offrent un abonnement à Chapi Chapeau. Merci beaucoup. Eh bien, Chapi Chapeau, n'hésite pas à faire un usage outre... Oula, j'ai essayé d'utiliser des mots beaucoup trop compliqués pour moi. Un usage outrancier des émotes, bien sûr. Coucou Inaf! Alors Inaf, on va jouer à Forestia, on a déjà avancé le jeu mais ne t'inquiète pas, on fait mission par mission, on est en classe verte. Coucou Street Wolf, attendez, j'ai oublié de faire un truc, je le sais. Je me connais et je sais que j'ai oublié de le faire, attendez une seconde. J'ai oublié, voilà, de changer le nom du stream, je fais ça à chaque fois. Alors, on est en Gameous sur Forestia, bougez pas. Who's this coming into my home? Coucou, alors attends, c'est qui m'a suivi? C'est Street Wolf. Putain, mais elles sont en retard mes trucs à chaque fois. Forestia, la grande aventure. J'en reviens pas qu'il y ait une catégorie avec 33 followers sur Twitch pour Forestia. Ça me tue. Hop, alors c'est parti. Ok, les informations sont changées. Je vais pouvoir retourner dans le jeu. On retourne dans Forestia. Allez. C'est parti. J'ai été absolument synchrone. Ah, attendez. La boîte à jeux, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a plus le son par contre. Il faut que je remette ça correctement. Ok, super. J'ai été absolument synchrone avec Sam le Lapin, c'est presque effrayant. Abonnez-vous sans modération, c'est vrai. Je suis globalement en l'arc en train de bosser, mais j'apprécie le cadeau. Bah écoute, c'est quand même beau. On retourne à Forestia, peut-être qu'on verra la boîte à jeux, qu'est-ce que c'est à la fin. Si c'est encore ces putains de jeux de la fête de la musique avec des mémories musicales, je dis non. Je ne veux pas de ça. C'est mort. J'espère que la musique n'est pas décédée. Non, tout va bien. Ah bah super, ils vont mettre même la... Donc on s'était laissé sur ça la dernière fois. C'est
besoin de votre aide. Brigade volante de service secret de Sa Majesté Firmy, la reine des fourmis. Je suis poursuivi. Il faut que vous m'aidiez. Ah, les voilà. Les doublages me butent à chaque fois. Le chemin du pique-nique. Ok, très bien. Ok, donc on va voir la reine des fourmis. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sens qu'on va voir des insectes en 3D dégueulasses. J'ai hâte. Ah, appareil photo, vite. Genre, je peux pas te prendre en photo. Attendez, on va la voir, ce salopard. Vite, vite. Oui. On ira voir toutes nos photos à la fin. Ah, je peux reprendre une photo d'encore plus près. Trop bien. La sauterelle. Je prends un plaisir fou à faire ces photos. Pourquoi ça me hype comme si c'était RE8? Mais on est d'accord, on a une hype qui est absolument illogique. Oh, un serpent! Serpent! Par contre, je suis deg parce qu'il y a des animaux qu'on n'a pas réussi à avoir et je suis pratiquement sûre qu'on les aura plus et que c'est baisé. Ça me rend un peu triste. Je me dis que ça se trouve, c'est parce qu'on va trop vite à l'objectif et qu'en vrai, faudrait explorer. Oh, un pic! Incroyable. Je suis trop loin. Vite. Allez, allez, allez. Je veux pas le rater. Oh, y'a un sanglier! Oh mon dieu! Vite! Ah non, il est trop loin aussi. Vite, on va survivre les sangliers. Oh non! Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir les sangliers maintenant? Ah, oh, je suis trop deg. On a raté les sangliers, les gens. Ça, c'est... Il fallait aller là, d'accord. Alors je ne sais pas ce que cette petite main essaie de me dire. Est-ce que vous croyez qu'on va dans le tas de terre? Zou, on va trop vite. Also, Zou prend 20 photos en commençant le jeu. Bah oui, mais je pense que c'est ça le but du jeu en fait. Là, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on va pas avoir la bonne fin parce qu'on n'a pas pris en photo la souris. C'est ça le truc. Non, on regarde la pierre, très bien. Chut, fais pas de bruit. Ils sont à la poursuite. Bon, moi je suis découvert, il faut que tu me remplaces. Tiens, attrape. Je sais pas où elle va cette mission parce que je m'en rappelle vraiment pas. Un cadeau des habitants de la forêt pour l'anniversaire de la reine. Mais je les ai eus. J'ai réussi à cacher le cadeau dans l'une des salles de la fourmilière. Mais je ne sais plus trop laquelle. C'est un vrai labyrinthe. Oh, tu trouveras bien. Bon. Ton prochain contact se trouve au pique-nique. Dieu sauve la reine. Je dois aller dans la fourmilière, c'est salide. Attention, coccinelle. Je suis beaucoup trop à donf sur les photos. J'ai l'impression que je joue ma vie. Quand j'arrive pas à choper un animal, ça m'angoisse. Par contre... Ah, encore un oiseau. Vite. Je vais être trop loin. Je suis trop loin. Un petit pinson, formidable. Par contre, j'ai l'impression qu'on va encore changer de taille. Parce que si je vous rappelais bien, quand on est allé voir l'écureuil, on a changé de taille aussi. J'ai l'impression que c'est aussi ce qui nous attend. Oh. Oh. On va la voir. Allez. J'ai vraiment cru qu'ils allaient pas me laisser prendre en photo le sanglier. C'est trop mignon. Est-ce que vous aussi, les sangliers, ça fait partie de vos animaux préférés? Parce que moi, c'est vraiment une de mes bestioles préférées et je comprends pas les gens qui aiment pas les sangliers. C'est juste trop cute. Ok, on continue. Très bien. Préférés, non, mais clairement, ce sont mes poteaux. Alors, un ordinateur qui s'appelle Biff, très bien. Je vous suis jusque-là, je vous suis. Bonjour. Votre mission consiste à retrouver le cadeau que notre agent a caché dans une des salles de la fourmilière et l'amener au palais de la reine. Attention, nos derniers rapports signalent qu'un escadron de scarabores ennemis a envahi le secteur. Le capitaine vous a remis une valise contenant vos deux tenues de camouflage. Si vous croisez un scarabore, enfilez la tenue verte, type scarabée. Si vous croisez une fourmi, enfilez la tenue marron, type fourmi. Toute erreur entraînera des conséquences que nous regretterons.
C'est encore ces moments où Forestia arrive à être étrangement menaçant. Une fois dans la fourmilière, cet ordinateur vous servira de plan. Veuillez éteindre cet ordinateur après avoir lu le message. Ok. Éteindre. Est-ce que j'appuie sur quitter? Je pense pas. Hein. Est-ce que c'est plus bas? Spécial, famille. Je ne sais pas comment j'ai éteint l'ordinateur. J'ai pas envie d'appuyer sur cliquer parce que j'ai peur que ça fasse de la merde, mais... Allô? Peut-être que c'est tout en bas. Non. Tout en haut. Appuyez sur... Éteindre. Waouh. Ça, c'est de la technologie supérieure, vous voyez? Ok. Les flacons, c'est dans la poubelle verte. Ok, donc ça, je... Ok, je viens de m'enfiler une potion donnée par un agent secret. Très, très bien, je suis invisible. Je suis minuscule. Mais j'ai encore mon appareil photo. Et ça, c'est important. Forestia SCP, c'est un peu ça, hein. Les marcassins, ce sont des bébés animaux, par contre. C'est cute, les sangliers, les marcassins aussi, c'est vrai. Ah, vite! Oh, je vais pouvoir prendre un max de photos que jamais personne n'aura pris. Incroyable, trop bien. Alors, je n'ai que... Je vais y aller, hein. Est-ce que vous aussi, si on vous avait proposé cette mission, vous auriez dit non? Pourquoi on court dans les couloirs comme ça? Quoi? Tenue rouge. Ah non, mais ça me... Attendez. Attendez. Est-ce que la... Non, d'accord. Non, parce que moi, on propose cette mission dans la vraie vie, j'y vais pas, en fait. C'est absolument terrifiant. Oh, oh, vite, vite. C'est moi. Ah mais je... Oh, écoutez, on va aller là. Hein, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh. Ah non, mais ça me fait peur. J'ai pas envie de jouer à ça. Ok, donc on va tout droit et après à gauche. Très bien, c'est noté. Tout droit. Bonjour canard boiteux. Bien sûr, tout ce que je vois, c'est qu'on est en train de se déshabiller dans une fourmilière. Non mais c'est pas que ça, genre... Qu'est-ce qui va se... Genre, j'ai peur de ce qui va se passer s'il me découvre. J'arrive pile à temps pour Forestia. Et oui, on vient tout juste de commencer. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de fourmis dans cette zone. D'accord, caillou, caillou. Ok, il n'y a rien dedans, très bien, super. Ok, super. J'en suis ravie, très bien. Donc cette zone-là, on l'a fait, c'est nul à chier, il n'y a rien. Donc il faut qu'on aille dans la salle là-bas. Putain, mais c'est un cauchemar, mais c'est trop grand en plus. Donc, on continue tout droit. Ok. Mais quel enfer. Par contre, j'ai vraiment pas envie d'aller à reculons. Hein. Je vais me chier dessus, en fait. Attendez. Oh, je suis dans le bon. C'est bon. Ok, très bien. Encore tout droit. Je vais me perdre, en plus, je le sais. Et ça m'angoisse vraiment. Moi, je m'attendais pas à cette ambiance-là, voyez-vous. Je m'attendais à un truc relativement fun. En mode, ah, on est avec les fourmis, c'est rigolo. Donc, encore un, et puis à gauche. Ok. On n'a pas eu de fourmis depuis longtemps. Je pense que ça va arriver. Ouf. Ok.
Le fait qu'en plus le temps ne s'arrête pas, c'est vraiment quelque chose qui me stresse. Ah! Encore. Donc là, tout droit, tout droit, tout droit. Ok, très bien. On va croiser un truc, ça va pas être la bonne couleur. Non, c'est bon, ok, très bien. Il n'y a rien de fun, la mission est sérieuse. Ah, mais clairement. Quand il m'a mal regardé, hey, j'ai rien fait. Non, mais SCP Forestia, moi je dis, il faut créer la page wiki. Vous croyez que c'est une classe verte, mais en réalité, c'est votre pire cauchemar. Vite! Ok, en fait, quand t'as pris le coup de main, ça va. Mais j'aime vraiment pas cette ambiance, ça me fait vraiment peur. Et puis l'idée que les araignées, enfin les fourmis puissent nous tuer, et les scarabées aussi, ça m'inquiète. Je sais pas quel est mon camp en réalité. Alors, on va chercher ça là-dedans. Oh, le cadeau! Est-ce qu'il y avait qu'un seul cadeau à trouver, ou est-ce que j'en ai plusieurs à trouver? Je me demande. Ok, il n'y a pas de cadeau là-dedans, très bien. Hop. Et là, je peux continuer à fouiller. Je vais regarder s'il y a deux cadeaux à trouver ou qu'un seul, je me souviens plus. Bravo, tu as trouvé le cadeau, tu n'as plus qu'à apporter au palais de la reine. Ok, non, c'est bon. Super. Ah! Alors, du coup, le palais de la reine. C'est où le palais de la reine? C'est ça. Rez-de-chaussée. Ça veut dire qu'il faut que j'aille en haut? Vous avez l'air bien stressé, Damzou. Ah non, mais moi j'ai peur. Je veux pas me faire péter la gueule par une fourmi, en fait. Ça me fait peur. Donc j'imagine qu'il faut que je prenne les escaliers. Donc on va aller, on sort tout droit. Ensuite, tout à droite. On va à droite, puis tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à arriver là-bas. Ok, très bien. Donc on sort. Ok. Enfin, je te retrouve. Tout va bien. Les gardes de la reine ont réussi à arrêter les J'ai 8 araignées. ans et Enfin, j'ai c'est peur de plutôt cool. Forestia, Tu as ok? récupéré le cadeau? Bon, eh bien, tu n'as plus qu'à me rendre la mallette. Et à toi l'honneur de porter le cadeau à la reine. Encore bravo et merci. Ah, c'est bon, j'ai plus besoin de me déguiser? Ah, bon, bah ça va alors. Ils vont plus m'attaquer. Alors, du coup, j'ai bien dit que c'était. C'est bien ça, hein, il faut monter à l'étage, je pense. Sinon, je vois pas pourquoi il y aurait un étage. Donc on dit tout droit une fois, enfin deux fois et après à droite. Hop. Ok. Mais là, on n'a plus besoin d'avoir peur en fait, donc arrêtez de nous mettre cette ambiance, mettez une petite musique, quelque chose, merde. Ok, par là. En tout cas, pour une fourmilière, il n'y a pas beaucoup de fourmis. C'est pas qu'ils vont plus t'attaquer, c'est que maintenant la fourmi s'en fout si tu meurs. Ah non. J'ai l'impression d'être dans Delta Green all over again. où est-ce que je suis? Ok, c'est toujours tout droit, tout va bien. Hop, hop, hop. Parce qu'ils m'ont pas dit c'était qui chez la reine, mais j'imagine que c'est à l'étage, parce que bon. Toujours tout droit, très bien. Non? Ah non, c'est un cul-de-sac? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un cul-de-sac où t'es baisé. D'accord, donc c'est pas là. Attends, est-ce qu'ils me disent où je dois aller? Je suis obligée d'utiliser dans un. Dans une. Je suis obligée d'utiliser une aide, quoi. D'ailleurs, est-ce que le jeu est au bon volume pour vous? Est-ce que vous avez besoin que je mette plus fort? N'hésitez pas à me dire. Bah, c'est l'autre pièce alors? Ça doit être la pièce rouge. Ouais, c'est ça, c'est la pièce rouge. Ok, bon, alors du coup, là, c'est juste à droite. Non, je crois que tous les ennemis sont partis quand le cadeau a disparu. Et ça, c'est une belle chose. Tac.
toujours tout, encore deux fois tout droit. Le volume est très bon chez moi. Ok, bon bah si tout le monde a l'air d'être d'accord, on part là-dessus. Et donc là, il faut que j'aille de ce côté-là. Là. Non. Mon sens d'orientation n'est pas terrible. Voilà, là par là. Et là, c'est bon. Vous croyez qu'on va avoir un cadeau de la reine en retour? Ou des remerciements? Qu'on va devenir l'ami des fourmis pour toujours? Allez, c'est par là, c'est sûr. Incroyable. Par contre, j'ai l'impression que la mission est étrangement courte. Mais en même temps, les missions dans Forestia sont jamais très longues. Mais quoi? Ah putain, mais heureusement qu'on a trouvé le cadeau en bas, parce qu'en fait, on aurait pu ne pas le trouver du tout. En bas et le trouver en haut. Ça aurait été vraiment chiant. Alors écoutez, on va à droite et à prochaine. Hop. Par là. Ok, très bien. Je crois que oui, il nous montre le nord, donc il faudrait que je puisse me repérer avec le nord, le sud et tout ça, mais c'est mal me connaître. Non, pas par là. Par là. Là. Je sais pas comment, en tant qu'enfant, je m'en suis repérée. Parce qu'à mon avis, j'étais complètement paumée à ce moment. Et là, bien de ce côté-là. Ok, 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 c'est parti, c'est parti. Ouais. Par là. Et par là. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un très bon jeu d'horreur avec ce que... Bonjour. Patientez quelques instants, je vais voir si la reine peut vous recevoir. Ok. C'était long. C'est bon. Je vous ouvre la porte. Waouh! C'est la Giga Fiesta. Waouh! Cette reine fourmi. Oh, elle est dégueulasse. Pardon, madame, excusez-moi. Ah! Et voilà! La couronne! De rien, madame! Oula, cette 3D! Ouais! Oh, je peux la prendre en photo! Trop bien! Extrait du rapport du capitaine. Mon identité était découverte. Je ne savais plus quoi faire. Désespéré, je cachais le cadeau dans une salle de la fourmilière. Dans ma précipitation, j'oubliais de repérer l'endroit. C'est bien moi, ça! Quelle chance d'avoir croisé cet aventurier! Il avait une bonne tête. Il a vite compris que si une fourmi me dit que j'ai une bonne tête, vous croyez que ça veut dire quoi? Il a vite compris que ce que j'attendais de lui et a foncé courageusement chercher le cadeau. Sans lui et son habileté, jamais le présent des animaux de la forêt ne serait arrivé jusqu'à la reine Firmil. Merci l'ami. Incroyable. Encore une fois, on a sauvé Forestia de la destruction et de la guerre civile. C'est pas fou. Madame, pourquoi vous présentez une émission de jeux vidéo des années... des années 80-2000? Bonne question, bonne question. Bah écoutez, on a eu un droit à un gros smack d'une fourmi. C'est pas mal. C'est mieux que rien. Hein. Jim le lapin, il nous a même pas fait de cadeau. Eh bien, l'ami, il semblerait que ton séjour parmi nous touche à sa fin. Quoi? Je crois que les habitants de Forestia ont décidé pour te remercier de ton aide, de te faire une surprise. Ah. Sam, si tu veux bien. Un chèque de 8000 balles. Invitation. Zou,
Les habitants de Forestia ont l'immense plaisir de t'inviter à la grande fête de la forêt. Rendez-vous à la Syrie. Trop bien ! À tout de suite. Tu sais, c'est un privilège rare d'assister à la grande fête de la forêt. Ouais, pourquoi ? J'aimerais bien y aller. J'avoue que c'est un peu des bâtards de faire la grande fête, la fête loin de Papy Chen. Chez Jack Labelette. Ah ouais, ça doit être bien. Hé, si tu veux pas être en retard pour la fête, il va falloir que tu y ailles. Allez, bonne soirée. Et reviens quand tu veux. C'est avec un grand plaisir que nous t'accueillerons à nouveau. Au revoir. Moi, je découvre que l'arbre qui parle, sacré look. Ah ouais, ouais, il a une sacrée tête. Hein. Et encore, tu l'as pas vu en mode cauchemar. Tain, c'est le dernier jour, les gens. C'est notre dernière mission. Est-ce qu'on a tous les animaux? Moi, c'est la question que je me pose. Alors, on va partir de devant Boulot et Papy Chen, parce qu'ils me gênent à me regarder comme ça. La Syrie, c'est pas par là. C'est par là. Je me souviens toujours pas de par où on doit aller. Oh, papillon! On va regarder si on a tous les animaux. Si on n'a pas tous les animaux, on reste un peu plus longtemps dans la forêt pour les trouver. Je pense qu'on en a raté et qu'on les trouvera pas, mais on va regarder quand même. On ne sait jamais. Parce que moi, j'aime bien 100% les jeux, principalement quand c'est des jeux de merde comme ça. On dit des jeux de merde, mais non, c'est pas vrai. C'est pas des jeux de merde. C'est des jeux extrêmement qualitatifs. Alors, dans les oiseaux, il nous manque... Ah, on les a tous, dis donc. Oh, je savais pas qu'on était aussi performants. L'aigle est incroyable. Parce que ceux qu'on décroît, c'est pas forcément qu'on les a pas, donc c'est cool. Donc ça veut dire qu'on a tous les oiseaux, les gens. Est-ce que je peux... Ils vont m'envoyer... C'est ça, je voulais pas qu'ils m'envoient là. Reviens, reviens, j'ai dit. Comment je fais pour revenir en arrière? Là, voilà. Ok. Donc on a les oiseaux. On a les mêmes... Putain, il nous en manque! Il nous en manque plein! Parce que le hérisson, on l'a raté, le lièvre, le cerf, le castor, le campagnol et la belette. Oh, on les a tous ratés! Non! Les insectes, on a raté le bourdon, l'abeille et le guéris, peu importe ce que c'est. On n'a pas de poisson! On n'a pris aucun poisson en photo! Et on n'a pas le crapaud et l'orvet. Ah non, mais... Ça y est, on va avoir la mauvaise fin. Je vous dis, la mauvaise fin, c'est qu'ils rasent la forêt et on fait, ils font un McDonald's à la place. Hein. Donc on a sacrément chié dans la colle. La run est foutue. Ah non, mais je vous dis, on a tout gâché. Des poissons. Mais oui, on est d'accord que c'était pendant l'épisode de la sirène. On aurait pu prendre des photos, vous croyez? Je sais pas. Je sais même pas si on avait accès à l'appareil photo. Il y avait plus du tout de chance de les avoir. Bah je sais pas. Je pense qu'on va essayer d'explorer la forêt pour voir. Est-ce qu'on a chopé tous les bidules? On n'a pas chopé tous les bidules de la forêt. Oh non! On n'a pas la monite chouche, on n'a pas les trompettes de la mort. Il nous manque plein de fleurs. Et il nous manque plein d'arbres. Oh, on a tout... Le dictionnaire? Ah, on a le dictionnaire de la forêt, incroyable. Ok, non. Donc... Faut qu'on les... Je sais pas, à mon avis, on peut pas tous les trouver parce que les animations, elles changent en fonction des jours. J'ai envie de regarder... Ah si, on avait tout ça, on n'a pas... On n'a pas tout regardé. Je sais pas pourquoi on a ça. Parce que vous vous souvenez qu'on a la musique là-dessus, on a tous les trucs rapport à la musique. Mais je sais pas du tout pourquoi on les a. Écoutez, on va explorer un peu plus longtemps la forêt. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de prendre en photo les derniers trucs qui nous manquent. Genre là, on peut boire un brochet. Parce qu'on est d'accord qu'on a vu aucun poisson. Ah, allez! Genre, là, tu peux pas le prendre en photo. Non, je l'ai raté. Oh, c'est de la triche. C'est trop la triche, les gens. Attends, il est peut-être un peu plus loin. On a raté. Oh, mais je me déteste, en fait. Mais c'est pour ça aussi qu'on les rate, parce que je suis nulle. On a encore raté un animal. Mais genre, tu l'avais pas. Mais oui! J'étais clairement dessus.
Bon, faut à tout prix qu'on évite la Syrie. Et on va chercher tous les animaux, d'accord? On ne quittera pas Forestia tant qu'on l'aura pas 100%. C'est faux, bien sûr, c'est faux. On a encore le petit serpent. Lui, il bouge pas, par contre. Petit serpent. On t'a déjà en photo 12 fois, mais c'est pas grave. Il est trop choupi, celui-là. On lui a juste fait un petit poke pour qu'il bouge du chemin. Aussi, on n'a pas ramassé tout, mais... Et là, il n'y a pas un animal qui veut se montrer. Ramenez-vous, bordel. Putain, je vous jure que si on voit pas un seul animal, je serais trop dingue. Il vit sa meilleure vie sur sa pierre, mais oui. Oh, elles sont là, les ammonites tue-mouches, les dons. Putain, je les avais pas du tout vues. Incroyable. Ok. Donc, on va tout faire pour éviter la Syrie et on ira là-bas au dernier moment. On va aller dans la forêt pour voir s'il n'y a pas... Attendez, j'ai vu un truc, reviens. Là, je peux pas te prendre en photo, toi. Genre. Alors, considérez que ce jeu ne considère pas que ça, c'est important. Ça, ils disent, ouais, c'est juste une mouche, on s'en branle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien? Ok, ok. Pareil, hein, on veut attraper des fleurs. Donc on va pas vers la Syrie, d'accord? Oh! L'araignée, on l'a eu ou pas? Je crois qu'on l'a eu, l'araignée. Trop cute. On va lui marcher dessus. Ça, c'est pas des champignons qu'on peut récupérer, c'est les champignons des fées. Ok, et là du coup on va aller... Non. On va par là. On ne va surtout pas vers la Syrie, quoi qu'il arrive. Je vous dis, genre, peu importe. Moi je vais rester là tant que j'aurai pas trouvé toutes les photos que je... Bon déjà j'ai raté la bestiole, ça me fait chier. Ça. Ah non, on est déjà allé par là. Hop. Voilà. Tiens, est-ce que là, il n'y aurait pas genre la fête des poissons qui se passe en ce moment précis, du coup on va choper tous les poissons qui nous manquent? Genre là. Ah, les moustiques! Trop bien! Est-ce qu'il n'y aurait pas... Allez, les poissons, là! Y a pas de poissons dans ce monde en fait. Ils se moquent de nous. Ok. Ça, on l'a déjà ramassé, je m'en souviens. Je crois que tous les animaux sont partis. Merci Vico Mako pour le follow. Grégan le petit serpent te dit bonjour. Lui, il est là, contrairement à tous les autres animaux de la forêt qui sont partis, bordel. Allez. Oh, chauve-souris. J'ai peut-être déjà eu la chauve-souris aussi. Je sais plus. Pourquoi il y a des animaux qu'on voit tout le temps et pas les autres? Allez, là, il va y avoir une bestiole, un cerf, quelque chose. Non? Bon bah, visiblement non. Putain, je suis dégoûtée. Je crois qu'on va devoir aller à la Syrie, les gens. Ah, il y a un endroit qu'on n'a pas tenté, dis donc. On n'est jamais allé à la tour hors mission. Peut-être que c'est ça. On va peut-être essayer là-bas. Oh! Le Crapax! Yes! Putain! Trop pitchou! Là, on est dans le marais, on est bien là. C'est une ambiance qu'on connaît. Je suis beaucoup trop investi dans le jeu, les gens, ça va pas du tout. Oh! Encore des plantes! Yes!
Ok. On va aller vers la tour. Ça, pareil, toujours pas un insecte, hein, on s'en fout. Oh, vite! Ouf. Est-ce qu'on l'avait déjà eu, celle-là? Je ne sais pas. Dans le doute. Ah, mais attendez. On n'est jamais venu ici. Waouh. Il y a forcément un insecte qui va passer, ou un truc, quelque chose. Non? Là, c'est notre village où on habite. Mais on n'a pas le droit d'y aller. On ne peut pas quitter Forestia. Alors, on va aller à la tour. Par là. Et je me dis que peut-être, là, on va voir le mulot des morts, là. Le petit, la petite souris nulle qu'on peut pas avoir à chaque fois. Oh, attendez, on l'a pas ramassé, ça? Si, on l'a ramassé. C'était trop obvious. Tellement la chillance et l'angoisse en même temps, je... C'est exactement ça. C'est chill et en même temps... Et je sais pas vous, mais j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup le côté safari photo. Alors, visiblement, pas d'animaux ici. Hein. Allez! Il y aurait pas un cerf-volant, là? Putain, j'ai même pas fait exprès de construire cette blague, se dire à quel point je suis un génie, les gens. Il y a vraiment rien. Bon allez, c'est bon, on va à la Syrie là, ça me saoule. Nul. Ah non, reviens. Reviens. Allez, c'est l'heure de manger. À tout à l'heure, à tout à l'heure, Phoenix of Flame. Ah, mais il y a un truc là. Attendez. J'ai vu un truc au pied de l'arbre. Alors on a déjà ramassé, d'accord. Ok. Bon bah c'est parti, hein, vu qu'apparemment... ok, ce point de vue est très étrange. Là, le papillon, on l'a pris en photo. J'aimerais beaucoup que les trucs qu'on ait ratés repassent devant nous, ce serait vraiment formidable. Oula, attendez. Je suis un peu perdu. Par où je vais là? J'ai raté... Comment on va vers la Syrie déjà? Je suis perdue. Ah, c'est par là. Retenez bien les gens. Si un jour vous êtes perdu, reculez jusqu'à ce que vous soyez à nouveau là où vous savez que vous êtes. D'accord? Ça j'ai déjà ramassé aussi, ok. Le pique-nique, on est déjà allé. Là, je me dis que c'est peut-être le moment de croiser les 28 trucs qui nous manquent. Faut être chaud pour... Oui! C'est bon. Ok. Bon. Peut-être qu'on va pouvoir prendre des trucs en photo. Ah ça, ça, ça. Ça, je peux pas le... J'ai déjà attrapé à tout coup. On retient. Merci. C'est important. On est quand même un enfant qui se balade avec des aminites tumouches plein les poches. C'est vrai, mais on a quand même le petit alerte tête de mort qui se met dessus, donc sûrement que l'enfant comprend. Alors, les oiseaux, c'est bon. Les mammifères, il nous en manque encore super... Il nous en manque encore plein, en fait. On a la fouine et la belette et le blaireau en plus, je pense. Je sais pas. Putain, et les insectes, on a chopé lesquels, du coup? Peut-être qu'on a chopé rien de nouveau, en réalité. On avait tout. Le poisson, mais j'en reviens pas. À mon avis, c'était tout pendant le truc de la sirène. Et là, du coup, il nous manque que l'orvet. Et bah, voilà, on est naze. Voilà, il va juste y avoir un McDo à la place de Forestia et le capitalisme a gagné. Voilà. Et ça, là, je peux pas le ramasser. Ou j'ai déjà ramassé. Le hibou, je l'ai déjà pris en photo. Limite, j'en ai rien à foutre de la fête qu'ils m'ont organisée. Le blaireau, je connais un endroit où tu peux en trouver plein. Est-ce que je peux le prendre en photo et ça compte pour le jeu? Le capitalisme gagne toujours. Qui va là? C'est moi. Oh, pardon, je t'avais pas reconnu. Bienvenue. Je peux vous le prendre en photo? Entre. Vous êtes un animal, non? Ça ne marche pas, très bien.
Franchement, vu l'arbre shooté, pas que du gazon. Un quick, pourquoi pas. Un quick, pourquoi pas. Non, mais non. Je sais pas pourquoi j'ai un diapason maintenant. Ah, on va tous faire la fête là-haut. Non, mais je vous avais dit qu'il était pas clair, ce chalet. Hein. Oh, waouh. Incroyable. On n'attendait plus que toi pour commencer. Vous me faites tous peur. Donne-le là pour faire démarrer l'orchestre. C'est quand tu veux. Je peux vous prendre en photo? Non? Bon, très bien. Je donne-le là. Putain, les Beatles. Et je crois que c'est ceux qui ont fait le jeu là qui sont en fond. La fête de la forêt, les gens. Tout le monde danse. Nous, on danse comme petits crapauds, là. Vous voyez la petite grenouille en bas, c'est nous. Est-ce que vous croyez que c'est une boucle éternelle? On va tester pour voir. J'arrive sur un banger. Coucou Croctune! Ouh! On a eu la fête de la forêt rien que pour nous. Bravo, tu viens de terminer avec succès ta partie. Trois possibilités te sont maintenant proposées. En cliquant sur Forestia, tu peux accéder à la forêt pour terminer ton album. Avec la boîte à jeux, tu peux refaire les jeux. Et sommaire, tu peux recommencer une nouvelle partie. Incroyable! Alors les gens, la question... on a deux choix. On peut retourner à Forestia pour essayer de trouver les autres animaux qu'on n'a pas trouvés. Ou alors, on peut jouer à Oublette, où, basiquement, on va avoir des espèces de légumes qu'on va lancer dans des battles de danse. qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on finit ce jeu à 100% parce qu'on est des hardcore gamers? Mais du coup, tu as la bonne fin? Oui, il n'y a qu'une seule fin en réalité, Marie. C'est une blague, le McDonald's, t'inquiète. J'imagine les devs. Bon, Jérémy, tu prends le banjo, oui, voilà, tu peux bouger un peu, et allez, c'est dans la boîte. Je pense que c'était basiquement ça. Oui, t'arrives à la fin du jeu, Croctune, je suis désolée, c'était vraiment... Je savais que ça allait être court, mais je savais pas à quel point. J'y ai cru. Ah, mais non. Désolée, Marie, mais c'est juste, c'était pour la blague. Donc voilà, on peut rester dans Forestia et chercher tous les animaux. Ou alors, on peut aller jouer à Oublette et on fait ce fight des petits légumes. Qu'est-ce que vous en dites, les gens? Si vous voulez jouer à Oublette, vous mettez légumes dans le chat. Et si vous voulez continuer Forestia, vous mettez photo. Allez-y. Je laisse un peu de vote, on va voir vous êtes pourquoi. Coucou le marais, je suis en train de décéder. Et bah, merde, super Nico, on t'envoie de la force. Légumes. Photo. Légumes, ok. 2 pour les houblettes. 1 pour Forestia. Un peu de légumes, légumes. On est 3 légumes. Je pense que les gens sont chauds pour qu'on passe à autre chose. En vrai, je comprends tout à fait. Je pense que Forestia a fait son tour, a fait son moment, quoi. Donc écoutez, on quitte Forestia. J'ai envie d'une photo de légumes. Bah écoutez, on va aller on va aller voir des légumes maintenant. Alors attendez. Je quitte le jeu. Voilà, quittez le jeu. Bye Forestia. Oui, bye. Ok. Ah, et bah les gens, quand même, au revoir Forestia, on t'aimait. Mais oui, c'était incroyable, on est d'accord. Hein. Forestia, c'était quand même un très grand moment. Donc attendez, je vais juste changer le titre. Je vais faire une petite pause toilette après avoir fait ça. Je change les trucs du machin, du bidule. Et après, on lance Oublette. Et je pense, les gens... que vous allez kiffer. Vous n'êtes pas nombreux, il me semble, à ne pas... Enfin, vous n'êtes pas nombreux à connaître Oublette, il me semble. Donc, je pense que vous allez kiffer. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, imaginez un mélange entre Animal Crossing et Pokémon, mais dans des battles de danse, dans un style adorable. J'ai peur d'aller dans la forêt, maintenant. Franchement, je te dis, c'est citrouille. Et tout le monde, hein, si vous avez un vieil arbre qui s'appelle Papichène qui commence à vous parler et à vous envoyer dans des missions, méfiez-vous. Ce n'est que le début.
Et surtout pour l'épisode des cauchemars avec le dragon, on sait très bien qu'il y a une version de ce monde dans lequel Forestia n'existe plus et a été ravagée par la lave, et que le reste n'est qu'un rêve fiévreux. ok, donc j'ai mis le truc, je vais changer les informations du live, et on va pouvoir jouer. Oublette. Putain, j'ai trop hâte de jouer à Oublette, ça fait super longtemps. J'avais joué un peu à l'Early... Enfin, pas l'Early Access. Si, c'était l'Early Access. Et c'était super chouette. C'était en anglais à l'époque. C'était vraiment tout début. Et j'ai arrêté parce qu'il y a clairement des fonctionnalités qui manquaient pour le jeu. Et du coup, ça me fait très plaisir d'y jouer avec vous. Et je pense que vous allez tous adorer. Donc, petite pause toilette. Je reviens dans 2 secondes. Et on va continuer.